Bon, apparemment, c'est une information qui surprend tout le monde, parce que même le juge n'est pas au courant, même le greffier dossier n'est pas au courant, parce que jusqu'à maintenant, là, je n'ai pas la greffière, greffier a parlé de confrontation. Donc, hier, tu as supposé une confrontation, alors lundi, tu as supposé une confrontation, mais malheureusement, pour une question de gaz, pénitencier n'est pas venu avec inculpé. Donc, c'est ça qui fait pas de confrontation. Donc, il a été mis peut-être pour vendredi, pour samedi, non? Malheureusement, donc nous jouons l'information. Alors depuis hier après-midi, il y a une information côté que tu as dit. Je senti un mouvement de préparation. Il a demandé des nègres. Depuis hier, il a demandé James Solage pour le préparer, le mettre bien fait, etc. Donc on a même matin encore. J'ai obligé de contacter huissier dossier. Hein. L'homme dit huissier dossier. Hein. Qui ça a fait? Est-ce que il y a un rendez-vous aujourd'hui? Non, c'est lundi, mercredi, vendredi. Donc et puis vers 11h midi, on apprend que monsieur a quitté la greffe pénitentiaire nationale et a le CPJ. Et puis c'est 30 minutes après, on apprend qu'il a extradé, il a extradé vers les États-Unis. Donc nous apprenons l'information, nous confirmons. Donc là encore, ça ne fera que compliquer le travail du juge parce que même le tagon question d'entrée judiciaire, même le tagon question de coopération internationale ou bien. Ce qui se passe, parce que les États-Unis ne travaillent pas l'affaire sur le dossier. Là, je pensais, tu as supposé une sorte de synergie entre les autorités américaines et les autorités haïtiennes. Parce que c'est ce que si juge là te connaît, tu as venu extrader M. Zao, donc il n'y a pas de nécessité pour demander une confrontation, il n'y a pas d'intérêt. Mais c'est ce que là, par handicap et travail là, donc c'est des gens qui sont importants. Dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, extradé au la Cunha, ils ne vont pas retourner. C'est sûr qu'ils ne seront pas, ils ne retourneront pas en Haïti. Peut-être que, dépendamment de la justice américaine, dépendamment du sort, donc, la justice américaine a décidé sous sort, monsieur, parce que là, ces messieurs échappent à l'instruction judiciaire, ces messieurs échappent et aux autorités haïtiennes, parce que là, il y a l'autre bord. Donc c'est dans le cadre d'enquête que les États-Unis étaient ouverts sous question de la mort de Jovenel Moïse. Donc nous-mêmes comme avocats, nous allons faire ce que nous devons auprès de l'ambassade américaine non? Pour nous connaître et est-ce qu'il y a quand même un motif d'extradition ça ou bien puisque tu as une instruction déjà qui prend date par devant le juge Walter Wessel, donc il décide d'extrader. Donc juge Ali même il n'a pas d'autre choix que de poursuivre avec son instruction avec l'autre monde qui était là. Pour le rendre dans si, pour le connaître, si pour laver, pour laver, si pour inculper, inculper, il veut juger par devant le tribunal criminel avec assistant de jury. Moi-même, personnellement, je spéculé parce que pas aucun note qui est venu joindre nous, aucune information, aucun appel de l'ambassade américaine qui dit qu'il va l'extrader des clients. Je me suis dit, je ne t'ai pas parlé avec Solage, je me suis fait constat, il te dit que des autorités, des agents du FBI, tu es venu côté en de prison. Tu es venu poser une question. Maintenant, ça fera pour moi-même comme avocat, de recueillir service de paix et Vincent, Joseph Vincent, vous défendre comme ça pour lui et vous recueillir déclaration. Maintenant, écoutez, on travaille fait comme ça, leur bonne instruction qu'a faite, nous tout à part, nous n'avons pas bon issue à l'instruction ça. Donc là, je pense que ça dérange un petit peu. Mais je ne vais pas prendre le coup de spéculer trop, avancer trop dans la déclaration, mais parce que on va se demander. C'est sûr que les États-Unis et Haïti, il y a encore, c'est vrai, il y a encore, il y a traité, etc. Mais qu'on y a là, est-ce que l'autorité américaine, c'est renseignée auprès de l'autorité judiciaire pour qu'on ait à quel niveau de dossier? Nous, c'est Jean-Emmanuel Sanon, James Solange, et Joseph Vincent, et puis Gon Colombien, quoi que les Maïko, vers la veste. Donc, c'est quatre messieurs ça qui ont extradé matin hein, vers les États-Unis. Jusqu'où on parle à voilà, c'est Floride. Jusqu'où on parle à voilà, c'est Floride. Mais. Je ne vais pas voulu trop spéculer trop, je ne vais pas incohérent dans l'information que je vais vous. Mais nous-mêmes, au niveau cabinet d'avocat, si on va adresser une correspondance au responsable de l'ambassade des États-Unis pour que nous-mêmes nous avons une idée de raison d'extradition et qui incidence va mettre sur l'enquête là. Et nous-mêmes, si c'est pour nous voyager vers les États-Unis, pour peut-être qu'on a continué le travail, nous on a fait parce que c'est avocat sur la ligne, c'est cabinet qui a assisté, donc on pense qu'il est de notre devoir, de notre droit pour nous continuer à assister Solage par devant quelque soit l'instance que nous